Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Je vérifie tout simplement si j'ai du son. Oui, parfait. C'est bon. OK. Alors, bienvenue au lundi créatif de Louise Dubé. Je vais essayer de me mettre droite encore un petit peu. Alors, aujourd'hui, ça va être la vidéo numéro 69 sur ma chaîne YouTube. Alors, voyez toutes les informations pour me rejoindre, mon courriel, le blog. Le blog, c'est maintenant assez limité. Ce que je mets sur mon blog, c'est je mets un lien vers la vidéo, je mets quelques photos du projet, quelques descriptions des articles, et c'est exactement ça que je mets. Je mets plus, avant ça, je mettais quand même plus détaillé, mais là, j'y vais quand même assez basic. Ma chaîne YouTube, Louise Dubé. Alors, j'avais annoncé la semaine passée que j'allais faire une page de scrapbooking d'Halloween, parce que, ça fait presque un mois que l'Halloween est passé, mais j'avais pas encore sorti les photos de mes petits-enfants, fait que c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Puis, question de temps aussi. Alors, je vous montre les photos de mes trois petits-enfants. Ah, ça, c'est ma belle Romy, Aurélie, la petite dernière, et Jacob, le plus vieux. Si j'essaie de vous les montrer d'un peu plus près, je les ai fait imprimer en style peinture. Fait que c'est comme si elles avaient... Ça donne un autre petit effet. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Ça donne un effet un peu peinture. Je déteste pas du tout. Donc, je vais prendre ces trois photos-là. Et ce que j'ai fait, je les ai matées avec un carton noir. Je vais fort probablement me servir de ce ruban-là, puisque je trouve que ça donne un effet toile d'araignée. Fait que ça... je ne sais même pas s'il est encore disponible. Je vous montre quand même le numéro. Vous pourrez toujours vous informer auprès d'une démonstratrice s'il est encore disponible. Je ne pense pas, par exemple, qu'il soit encore disponible. Là, je vois, j'essaie de voir. OK, c'est bon. Parfait. Ensuite, ce jeu d'étampes-là, je vais me servir de ce jeu d'étampes-là, Beauté de demain. Je crois bien qu'il est encore disponible. Avec le numéro ici, je vous le montre, puisque ça, je ne remettrai pas ça sur mon blog. OK. Je vais me servir tout simplement de ces écritures-là, puisqu'on parle des feuilles, puis c'est une écriture toute un peu tout croche, fait que moi, je trouvais ça beau. Alors, le jeu d'étampes, c'est Beauté de demain. Ensuite, ça, je suis pas mal certaine que ça n'est plus disponible. Swirly Frame. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser comme frame là-dedans. Je vous montre quand même le numéro, mais je ne pense pas qu'il soit encore disponible. Avec le titre. OK. Ensuite, ça, c'est encore disponible, je suis certaine. C'est... je ne me risquerai pas à le dire, savez-vous, avec mon anglais, là. Ça fait des fausses coutures, puis je trouve qu'on en voit beaucoup des gens qui font vraiment la couture, le contour en couture de leur projet. Puis comme moi, ben, je suis pas tellement machine à coudre. Je trouve que le fait d'avoir des étampes comme ça, ben, ça peut nous permettre de se servir, de faire des imitations fausses coutures. Des petits brillants, des petites paillettes que j'ai pris, vous voyez, au Dollarama. Ensuite, même chose, je ne sais pas si je vais m'en servir. J'ai sorti ça, là, mais je ne suis pas certaine. Même chose, j'ai pris ça au Dollarama. Ensuite, je vais probablement prendre des cadrages ou des papiers qui sont dans ça ici, mais je ne sais pas. Je l'ai sorti. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on sort souvent bien, bien des choses. Ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes, mais on va voir... la possibilité d'avoir des choses près de moi, parce que moi, quand je fais mes vidéos, je ne suis pas dans la même pièce que où j'ai mon atelier, donc c'est pour ça que je suis obligée de tout déplacer mes choses. Ces découpes-là,
petite boîte surprise que j'avais achetée, je pense que c'est l'an passé. Et je me sers tout simplement de la petite araignée qui est en découpe. Je vous montre parce que je vais en mettre plusieurs. De quoi ça a l'air un coup, c'est découpé. Fait que j'ai pris ça dans ça ici. Je mets ça de côté. Ça, probablement que je vais m'en servir peut-être pour de ça, peut-être, je pense bien, pour faire un peu un fond là, à mon papier. Ça, je sais pas. En tout cas, je vais sortir ce jeu d'étampes-là. Ensuite, les belles découpes, ça, je les avais montrées la semaine passée. Ce sont des découpes, puis sont en carton, là, fait que sont cartonnées. Simple Stories qui fait ça. Et ça, d'après moi, il en reste encore à la boutique, là. OK. Ensuite, j'ai ce beau papier-là. J'en ai pris deux feuilles. Avec le numéro. Okay. J'en ai pris deux feuilles. Ce que j'ai fait, parce que l'autre côté, vous voyez, je vais me servir probablement un peu de l'autre côté, mais pas tant que ça, parce qu'il est quand même assez prenant. Fait que ce que j'ai fait pour commencer, j'ai pris une de mes feuilles et je l'ai collée sur un papier cartonné. Okay? Avec, en appliquant aussi une couche, là, c'est sûr qu'il gondole un petit peu. Une couche de gesso transparent. Là, j'aurais dû l'emporter, je ne l'ai pas emporté. J'ai fait ça hier soir, que ça ait le temps de sécher parce que ça gondole quand même un peu là, quand on. Puis, je sais pas pourquoi, là, j'ai comme un peu des taches blanches. Là. Je vais essayer de camoufler ça. C'est sûr que cette photoplay, je ne connais pas. C'est la première fois que je travaille avec leur papier. Et des fois, c'est pas toujours évident de savoir, connaître la réaction. Des produits, du papier versus les produits qu'on met dessus. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que je vais être capable de camoufler. Donc, je sors mes étampes d'arrière-plan si je veux commencer à un peu remplir tout ça. Moi, l'idée que j'avais, c'était, je vous montre, de me servir peut-être un peu de ce ruban-là pour en mettre. Ici, voyez-vous, je trouve qu'il fait vraiment un effet toile d'araignée. Peut-être en mettre deux lisières, un peu en diagonale, puis de faire mon projet comme ça, là. Donc, ce qui va faire que mon étampeur, je vais un peu mettre ça ici, là, chaque côté, mes étampes de remplissage. Donc, je vais commencer par ça ici. C'est sûr que je ne me servirai pas de ces deux-là pour l'instant. Et je pense que pour commencer, je vais prendre la couleur. Moi, je vais prendre la couleur ocre roussillon. Je l'ai en petit tampon comme ça. Fait que là, je m'en viens là, en mettre sur mon étampe. Sans dire que je m'applique. Bon, je vais tasser ça parce que là, ça me fait une bosse en dessous. Bon, voyez-vous, c'est quand même, on ne le voit pas beaucoup là. Mais c'est ça que je veux pour commencer, là. Je me fais un fond. Je vais aller ajouter du noir tantôt, là, je vais la mettre un peu aussi sur l'autre sens. Puis je vais quand même si j'en ai presque plus, je vais quand même étamper. Ça donne quand même des petits effets plus pâles. Voyez-vous, je pense qu'on le voit quand même un peu à l'écran, qu'est-ce que ça donne.
Fait que je vais y aller comme ça, là. C'est sûr que là, ça va être caché un peu. Fait que je vais m'étendre un peu de l'autre côté, là. Puis je m'applique plus ou moins à ancrer mon tampon parce que je ne veux pas que ça soit nécessairement égal, là. J'aurais pu aussi sortir de la pâte à texturer, mais je voulais pas sortir mon séchoir. Fait que c'est pour ça que je ne mettrais pas de pâte à texturer. Bon, je pense que ça a l'air pas pire comme ça. Je vais aller mettre. Ça, je vais prendre. Ah, dans ça ici. Je vais aller mettre mes écritures. Je vais sortir les deux ici. Je sais que ce jour est difficile pour toi, mais je vais m'arranger pour pas nécessairement qu'on puisse lire les écritures. Sais, je vais comme étamper à moitié, là. Ce que je veux, c'est remplir un peu avec un fond d'écriture. Bon, je m'en vais mettre ça ici. Peut-être que celle-là ici, j'y vais en noir, mais je m'arrange pour que mon étampe soit plus ou moins. Donc, je vais quand même la mettre à l'endroit. Voyez-vous, j'ai pas vraiment appuyé. Là, j'appuie un peu plus fort. Puis je peux continuer aussi tant que j'ai de l'encre. Ça me donne des effets. Ça remplit mon fond. Je pèse pas trop sur mon tampon ancrant parce que je veux pas justement que ça soit très ancré. Oups. Bon, j'ai pas le choix de le mettre comme ça, hein? C'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup. Même chose ici. Oh! Moi qui ne voulais pas l'ancrer beaucoup. Mais ça va être caché, là. Tiens, pour ça, je vais arrêter là. Je vais aller me mettre peut-être. Là, ici, j'aime. Dans le fond, c'est cette partie-là, j'aime pas ça parce que c'est trop ancré, mais je vais m'arranger pour aller camoufler tantôt. Un petit peu en haut. Tiens, on va dire que c'est assez pour ça. C'est ça ici. Là, je vais y aller avec un peu de. Ça sont des. Ben, c'est de la poudre métallique, hein, de toute façon. Paint Power métallique. Je vais en mettre un peu.
Il faut se fier sur la couleur du. Parce que si on regarde la couleur qu'il y a dans le pot, ça c'est gris. Tandis que là, il y a un peu de rouille dans ça. Fait qu'on en met un petit peu comme ça. Je m'en viens saupoudrer. On va commencer par ça. Un petit peu d'eau. Là, c'est sûr que ça va faire baver mon noir. Fait que dans le fond, ce qui est le fun avec ces poudres-là, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que ça va donner, là, dans le sens, je vaporise, puis c'est sûr, plus je mets d'eau, plus on voit que ça fait tout ressortir, le fait d'avoir mis de l'eau, mon gesso, là, on voit toutes mes lignes de gesso. Là, je mets pas beaucoup d'eau, parce que je veux que ça, pas que ça prenne trop de temps à sécher non plus, je voulais pas sortir mon séchoir. J'aurais dû quand même l'apporter. Fait que voyez-vous, ça fait un effet tout. Je vais en mettre un peu ici. J'aurais pu mettre mon eau avant aussi, là. Oups. Bon. Mais même quand on met notre eau avant, il faut en remettre quand même un peu. Bon. Ça de côté. Là, voyez-vous, ça donne un effet, on le voit, un effet un peu métallisé. Je vais quand même me prendre un petit peu, j'ai une petite guenille pour éponger un peu. Ici, c'est peut-être un peu foncé. Fait qu'on peut aller comme ça, puis voyez-vous, avec ma guenille qui est, je peux aller faire des effets. Avec ma guenille. Tiens, on va en profiter. Bon, j'ai pas le choix d'aller chercher mon séchoir. Ah, problème technique. C'est moi le problème technique. Alors, je fais sécher un peu. Sinon, je ne pourrais pas travailler ma feuille.
Tant que ça va être beau comme ça. C'est pas évident de voir qu'est-ce que ça donne en tant que tel. On voit, je vous montre. Là, c'est sûr que ça fait, où j'ai mis du noir, ça fait un effet sali, là, mais un coup qu'on va voir toutes les autres choses remplies dessus, je suis certaine que ça va bien pareil. Alors, je pense que je vais aller mettre ça comme ça ici. Donc, je vais aller coller ça à l'arrière de ma feuille avec du double face. Ciseaux, même chose ici. Je vais aller voir où est-ce que je coupe ça après. Oh, je l'ai peut-être mis. Oh, attends un peu. Je voulais l'avoir plus ici. Je vais faire passer comme ça. Ce que je vais faire, je vais en mettre deux largeurs. D'abord, il s'étire un peu ce ruban-là. Non, il ne s'étire pas tant que ça. Je pensais qu'il s'étirait plus que ça. Donc, je viens en remettre. Je vais en avoir comme deux largeurs. Oh, la petite araignée. Là, je suis en dehors du plan, là. Je viens coller tout simplement mon ruban à l'arrière avec mon double face. C'est vrai qu'avant ça, par contre, j'aurais pu faire mon contour avec mes fausses coutures. Mais c'est pas grave, je pourrais toujours les faire comme ça. Bon, je pense que c'est ça qui va arriver. OK, bon, là, je vais aller venir prendre un morceau de mon papier ici que je vais déchirer et un petit peu que je veux voir. J'aimerais ça mettre mes photos dessus. Mais je vais le déchirer tout le tour. Bon, si je dis que je mets ça comme ça, avec la photo de mes petits-enfants, comme ça, ouais, je pense que c'est pas pire. Puis je donnerai pas trop de volume quand même. OK. Je vais venir en créer le pourtour, pas laisser ça en blanc. Je m'étais apporté un petit doigt encreur. Bon, je vais juste découper le. Je veux qu'on voit le blanc. Ça ici, je pense que je vais faire en attendant. Là. Je vais y mettre de la colle pour que ça arrête de bouger. Mettre
Mettre une goutte de colle. J'ai l'impression qu'elle restera pas fixée tant que je ne peux pas vraiment appuyer dessus. Ça va aller quand je vais coller mon papier ici. Ça, c'est une paire que je ne mettrai pas beaucoup de volume parce que, comme c'est une page avec mes petits-enfants dessus, à un moment donné, quand je vais en avoir plusieurs, je vais faire comme une espèce de cahier que je vais relier là, avec des anneaux. Fait que si je mets trop de volume sur chaque page, ben, ça va me faire un cahier trop volumineux. Fait que, j'aimerais ça peut-être arriver, puis peut-être y aller par année, ou je sais pas comment je vais classer tout ça, là. Parce que là, j'en ai fait une cet été avec mon petit-fils quand il est venu, mois de septembre, je pense. Fait que ça pourrait être inclus dans ça, avec, puis celle de, puis je vais sûrement en faire durant le temps des fêtes. Fait que ça, pour. Par contre, pour ça ici, je vais aller lui mettre un peu de volume pour cette page-là. OK, fait, je m'en viens y mettre. Oh, je peux le mettre directement là-dessus. Ma colle. Je vais voir là, qu'est-ce que. Je vais mettre ça à peu près ici, je pense. Ou je vais carrément plus haut. Non, plus bas. Non, je pense que comme ça va être pas bien. Ensuite, la photo de mes petits-enfants, je pourrais quand même la mettre en dimension, ce qui veut dire que je vais être correct pour venir me couper, tiens, un carton ici. Fait que ça ne sera pas trop surélevé, ça va être juste un peu. Je ne sais pas si je vais les mettre nécessairement dans cet ordre-là, mais. Et la petite dernière, la petite Aurélie. Je vais toujours vérifier si mon carton est de la bonne largeur. Oui.
pense que je vais y aller de façon à les mettre un petit peu, tiens, comme ça. Ensuite, je vais aller sortir mes découpes. Bon, je me suis mis le bras dans la colle, ça va bien. Bon, chose certaine, il va y avoir des araignées. Oh, des petites araignées comme ça qui vont au travers du. Du ruban. Je vais les mettre là en attendant, je vais les coller après. Je vais mettre une goutte de colle. Oups, elle est à l'envers. OK. Bon, il pourrait y avoir la sorcière ici. Oh, ils sont autocollants. OK. Ah, voyez-vous, je ne savais pas. Mais je ne les collerai pas tout de suite. Ça donne bien, j'enlèverai pas le collant tout de suite. Tiens, on pourrait mettre ça comme ça. La sorcière ici. Ça va cacher un peu la tache qui me dérange. Mais ça, comme je vous dis, c'est une page bien simple. Là, je vais y aller avec plus en me servant des petits autocollants. Ça, ici, pourquoi pas la belle bannière, la mettre comme ça. Ensuite, j'ai un petit fantôme, citrouille. C'est sûr que ça prend des citrouilles à quelque part. Là, je place mes affaires juste avant de les. Avant de les coller. Non, je pense que les citrouilles, tiens, on est mieux de les mettre comme ça. Tiens, ça pourrait bien aller entre les deux ici. Un autre araignée. Ça va être surtout ça, ma décoration, là, les petits cœurs autocollants. Tiens, la petite araignée pour aller là. Ça, un petit mot en anglais, je ne le mettrai pas. La chauve-souris. Chauve-souris pourrait bien s'en venir ici, comme ça. Ensuite, j'ai un autre citrouille. Ici, une étoile, une petite bouteille. Je vais toutes les détacher, là. J'aurais dû le faire avant, mais c'est parce que je voulais vous montrer la page. Si j'avais tout fait avant, vous n'auriez pas vu tous les autocollants. Bon, Happy Halloween, ouais, pourquoi pas? Tout le monde sait ce que ça veut dire, même si c'est en anglais. Ça, la petite chandelle. Je trouve que ça pourrait se prêter à d'autres choses. Puis, l'auto aussi. Les écritures. C'est sûr que les lettres ici, je m'en servirai pas. En tout cas, pas pour ce projet. Bon. OK. Petite étoile comme ça. Je vais mettre ici. Vais mettre ici.
Happy Halloween pour être sur le chaudron de la sorcière. Bon, de quoi ça a l'air? Fait que ça va être une page bien simple parce que ça va se résumer à ça, là. Je vais plus me servir des autocollants. Puisque quand je fais des pages avec mes petits-enfants, quand ils participent, là, c'est toujours. On sent beaucoup d'autocollants. OK. Fait que là, c'est sûr que ça, je m'en viens la mettre dans le coin ici. Je pense, je prends pas de chance, je lui mets un peu de colle, là. C'est peut-être moi, là, qui est trop, qui fait pas assez confiance, là. C'est la première fois que je m'en sers de ces autocollants-là. Tiens. Je vais appuyer un peu le temps que ça sèche. Je mets ça dessus. Oh, je vais mettre un, tiens, mettre un peu acrylique. Tiens. Ça va sécher pendant ce temps-là. OK. C'est sûr que la sorcière avale ici. Je vais coller les choses que je suis certaine. OK. Que je suis certaine de la remplacement. Fait que ma sorcière, elle s'en vient un peu cacher, là, ce qui me dérangeait ici. L'espèce de tâche. Puis, je m'en viens coller dessus Happy Halloween. Comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessaire de mettre de la colle, là. Venir mettre un autre bloc. Ça va sécher comme ça. Les araignées. Ouais, je pourrais bien les mettre. Les petites araignées. Une pointe de colle. Une autre pointe ici. Ensuite, c'est celle-là. Là, de ce temps-ci, je suis en étude de colle. Là, j'essaie toutes sortes de colle. Là, j'ai pris cette colle-là ici. En tout cas, pour l'instant, elle travaille bien. C'est sûr qu'elle fait des petits filets, là. Un peu le même principe que la colle chaude. Fait que ça. C'est sûr que si ça vous dérange, là, prenez pas cette colle-là parce que elle vous a fait des petits filets, là. Ça a l'air bien collé aussi. OK. Ensuite, les photos de mes petits-enfants. Là, je suis rendu là à savoir comment je les colle. C'est ça. De quoi ça a l'air? Je regarde à l'écran. Qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, je pense que ça serait pas laid comme ça. Par contre, je vais essayer peut-être, vu qu'on a deux pâles l'une à côté de l'autre, tiens, je vais mettre plutôt Romy dans le milieu. Fait que ça va me faire une pâle, une foncée, une pâle.
Puis Aurélie, peut-être comme ça. J'aime vraiment l'effet d'impression de peinture. Ce que j'ai fait sortir de mes photos, là, que je vous disais que j'avais choisi l'effet peinture. Là, je peux encore les bouger. C'est ça qui n'est pas pire, c'est que ça prend, c'est écrit entre 2 et 4 minutes à sécher. Petit peu, il me semble que j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Approximativement 2 à 4 minutes de séchage. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ça nous permet un peu de bouger la bougie, là. Bon. Est-ce que je vais coller une petite étoile ici? Oui. Ça y est, ma petite araignée. Est-ce que la petite araignée serait pas mieux? Ah oui, la petite araignée elle va être à côté de la sorcière. C'est comme si elle descendait dans le dessous de la page. Tiens, je vais la faire sortir d'ici. Puis elle va être à côté de la sorcière. Tiens. OK. Ensuite, ici, ici, ici. Bon, on a dit que ça prenait des citrouilles à quelque part. Bon, si je voulais mettre mes citrouilles ici un peu en dessous, je pourrais les surélever avec un morceau de carton. Il semble qu'il me restait un morceau de carton. Oui. Okay. Les petites étoiles, ça c'est sûr qu'on va les mettre. Je trouve que ça remplit bien. Ensuite, j'en ai une autre ici. Comme je dis, cette page-là est vraiment faite axée sur les autocollants. Petite étoile ici. Ensuite, j'en avais une autre que je pourrais mettre. Ensuite, 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 si je faisais un petit regroupement ici. Je pourrais mettre un petit fantôme à quelque part, mais où?
petit fantôme pour être ici. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette du carton en dessous. Ensuite, ma fameuse chauve-souris. Bon, je vais commencer par lever mon projet, voir de quoi ça a l'air. C'est sûr qu'ici, ça a décoloré. Je suis moins. Je veux dire que mon fond, là, peut-être que je vais le retravailler là, pour mettre autre chose ici. Je trouve qu'il est un peu. Je suis un peu déçue de mon fond. Mais en tout cas, c'est pas grave, je vais essayer de composer avec ça quand même. Parce que je ne peux pas mettre une batterie d'autocollant, là, ça ne sera pas beau, là. Je peux en mettre un peu ici. Bon, à l'écran. Peut-être que je suis jamais à mettre quelques étampes. Faire un peu d'étampage. Je vais remettre. Attendez un petit peu. Bon. J'essaie peut-être d'attirer l'attention un peu sur ça, plutôt que sur le fond. Puis ce que j'allais faire, je pourrais mettre mon autre petit fantôme ici. Ok, ça. Est-ce que j'ajoute autre chose? Je regarde à l'écran toujours. Peut-être ici un petit quelque chose. Bon, je pourrais les mettre. La chauve-souris. Tiens. Je vais coller ça sur la toile d'araignée. Puis, lorsque je vais aller faire, je vais aller mettre des petits brillants. Et c'était là. Attends, je vais commencer par mettre peut-être des petites roches comme ça.
avec ce produit-là. Ouf. Ça. J'en dépose comme ça certaines places. Et je vais venir mettre autre chose par-dessus. Idéal, ça aurait été d'avoir un petit pinceau, ça aurait travaillé que la, cette spatule-là, là. Je me rends compte de ça. Fait que là, je peux prendre des petites roches comme ça. Non, je prendrai pas ça parce que je trouve que c'est pas assez. On les voit pas assez. Je vais plutôt aller chercher ça ici. Les petites paillettes d'or. Pépites d'or. Ça aussi, j'ai un petit peu de brillant là, que je vais aller saupoudrer quand même au travers de ça. Non, ça, là. Tiens, je vais y aller directement comme ça. Puis j'en ai aussi des comme ça. Attends un petit peu, je vais aller en mettre un peu ici. Oups! Ouais. La morale de cette histoire, toujours boucher nos pots. Avant de bouger nos affaires, hein? Bon, je pense que ça va être assez. Si je regarde tout ça mis ensemble. Là, j'ai comme des. Oh. Ouais, des paillettes dans mon produit. Je vais essayer d'enlever le surplus. Si je regarde.
regarde de quoi ça a l'air. Oh, je pourrais en mettre, je me rends compte que je pourrais en mettre. Je vais me servir de celui-là qui est ici pour l'étendre, hein, comme ça. Ça fait vraiment comme des petites pépites d'or, ça. Puis, si je viens en mettre une dernière place. Des fois, il faut se mettre loin pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je vais m'arrêter là. Moi, tant qu'à moi, la paire, je trouve qu'elle est assez complète comme ça. C'est ça qui était la page d'Halloween pour mes petits-enfants. Je vois qu'à l'écran, le rendu, il est pas... c'est pas comme au naturel. Mais c'est pas grave, j'essaierai de prendre une photo, là, quand je vais mettre ça sur mon blog, peut-être que ça va vous donner vraiment plus une idée de quoi ça a l'air. Je trouve que là, le rendu, c'est sûr que quand on regarde ça de même, ça n'a pas l'air terrible. Je dirais que c'est pas 100% à mon goût, mais quand même, je déteste pas non plus, là. C'est ce qui termine l'activité du mercredi. On va se dire à la semaine prochaine pour une autre activité, les mercredis créatifs de Louise Dubé. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça va être une surprise. Merci. Bonjour.